commencé hier, aujourd'hui même, enfin, hier aujourd'hui. Je connais toujours le 17. C'était la nuit du 16 au 17. Je suis désolé pour le micro que je suis en train d'utiliser. J'attends mon micro normal en fait. Que je devrais recevoir demain si tout va bien. Qui devrait marcher beaucoup mieux aussi. The past holds both the joy and bitterness of time. Sheila could help them, as John said, but Ben could not bring himself to overlook the sting of their past relationship. Ok. Alors, je sais plus où on en était. Musique est bien. D'accord. Il faut qu'on devienne riche, apparemment. Livre de Réa, c'est la même chose. Bon. Qu'on soit d'accord. Bibliothèque, bon, on s'en fout. Du coup, je devrais pouvoir jouer avec l'assassin, non? Je pense. Putain, tu déconnes, on peut pas revenir en arrière? Ah si. D'accord. Mais il y a très peu de zones quand même. J'espère que ça va s'agrandir. Parce qu'au niveau des zones. Kevin! Kevin. Il a pas de compétences, Kevin. Bah, on veut pas avoir les compétences. Ah, c'est après, d'accord. On choisit le personnage et ensuite on peut appuyer sur compétences. Enfin, sur RB, quoi. Ok. Bon, bah Kevin, hein, c'est parti. Scattered bones stripped clean of flesh lay in stark contrast to the dead left untouched. Hunger and malice thrived, the lost trenches, the new residents of the goblin hordes. Of the penitent. On dirait que c'est le même doubleur en fait. Kevin, il est vif et il est discret. À chaque coup au but qu'il porte, sa frénésie augmente. Plus sa frénésie est importante, plus ses attaques sont rapides. La couleur de la barre de frénésie change en fonction de la quantité de frénésie de Kevin. La frénésie diminue au fil du temps. Ok. D'accord. Il n'est pas très frénétique quand même. Donc il a trois esquives, on dirait. Ok. Bon, bah on va voir. On va voir. Est-ce que c'est un bon personnage ou pas? Ah! S'il y a des archers en face, on va pas être content. Hein. C'est vrai qu'on avait débloqué ces trucs aussi, là, les hôtels. On va essayer d'engranger plus d'expérience. Bim! Oh, c'est joli ça. Oh putain. Ça c'était moins joli. Oh.
Ça va, on augmente vite de niveau. Hein. Ça doit être grâce à l'hôtel, mais les attaques réussies se cumulent. Ah oui, c'était quoi du coup? Ça, c'est le passif. Ah non, ça, c'est le passif. Les attaques réussies se cumulent pour faire entrer Kevin dans un état de frénésie contrôlée qui augmente sa vitesse d'attaque. Ça peut être sympa, ça. Projette des couteaux dans toutes les directions. On va d'abord prendre ça, quand même. Parce que, bon, c'est important d'avoir une autre attaque. Mais après, on prendra l'autre. Hein. De toute façon, on est obligé. Donc. On est quasiment obligé. Ah ouais, c'est pas trop ce que j'imaginais quand même, les couteaux. Hein. C'est un petit peu... Ah ouais, si, ça a marché. Ah d'accord. Il doit y avoir... Je pense que l'animation a dû bugger tout à l'heure. C'est quoi ça? Près d'une réduction de maximum de santé. Ah d'accord. D'accord. Putain. Un compagnon qui étourdit les ennemis. Moi je veux bien. Hein. Et je crois qu'on va pas faire un feu là. Ouh la vache. Au secours! Bon bah voilà. Ce fut une partie plutôt rapide. Non, je pense pas que ça soit un personnage faible, mais... Mais quand même. Merde, enfin la plusieurs. Désolé. As the conversation turned to the progress of the corruption, Mary was curious to know which village had been attacked this time. However, that worry gave way to panic when Lucy entered. Poor beasts, all slaughtered. Maybe something had infected them. The corruption was on their doorstep now. Est-ce qu'il se passerait pas un truc à chaque fois qu'on meurt? Always eager to fight. Kevin's new exercise resembled a dance more than a fighting technique. With all the noise he was making with his practicing, the family might have trouble sleeping tonight. Kevin s'entraîne, je crois qu'on est obligé de reprendre. On peut pas le laisser comme ça, Kevin. Du coup, l'argent, hein, on garde l'argent, j'ai l'impression. Augmente les chances de coups critiques. Mais je ne peux pas. On peut faire que ça. Ouais. C'est déjà mieux que rien. On va aller sélectionner le chapitre. Regardez, au niveau des compétences, qu'est-ce qu'il a après? Kevin a dit au reste de la famille où se trouvent les points faibles de l'ennemi. Non. On voit Kevin dans les ombres, on voit la ville. Kevin laisse le recours à sa rage. Bon, pourquoi pas. On va le reprendre quand même.
C'est vrai que les temps de chargement, ils pourraient être plus rapides, je pense. C'est dommage. C'est pas forcément un bug, mais... Serait-ce la bête de tout à l'heure? On va pas tarder à augmenter niveau, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, par contre, il prend un max de dégâts, Kevin. Kevin. Ah, d'accord. Du coup, on peut faire péter les trucs à distance, c'est bien. Une force, j'ai pas vu. Ça demande notre force. Peut-être. Ah non, ça fait une aura qui pète en fait. Une aura qui pète. Putain, mais c'est énorme ce truc. Attendez, on va faire tout le donjon comme ça. On se croirait dans Monster Hunter en fait, le mec qui utilise. Enfin, le mec. Le mec, parce que c'est nous qui créons notre personnage, mais quand on utilise les doubles lames. Oh putain, il y a un truc là. C'est pas là où il y a le marchand. Je crois que si. J'ai pas augmenté niveau. Si j'ai augmenté niveau. Putain, mais j'ai augmenté niveau. Putain, mais j'ai pas fait gaffe, le con! Même pas fait gaffe. Ça va être chaud, ouais. J'ai pris quand même pas mal de dégâts, donc... C'est déjà fini? C'était rapide. Bon, on a perdu notre aura de paladin. C'est pas grave. Des petits pots. Du monde de balcon, boum. Ouais, le truc avec ce personnage, c'est que quand il y a les ennemis qui sont beaucoup trop proches de nous, bah ils se prennent toutes les dagues d'un coup, et on touche pas les ennemis aux alentours au final. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Non. Compétence. Entre Kevin, qui augmente sa vitesse d'attaque. C'est peut-être mieux de rien faire en fait, vu qu'on peut rien faire. Là, je l'ai pas vu. Le mode frénésie. Comme une mitraillette. Bon, hop, pour moi ce cadeau. Oh putain. Ah bah voilà, là ça me parle quand c'est plus rapide.
Kevin n'est pas très résistant. Ah putain. Le problème des dagues, c'est que... C'est bien quand il y a max d'ennemis autour de nous, mais quand il y a quelques ennemis, ça... Ça sert à rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Avec une chance sur 10 000, on peut toucher la chauve-souris, mais... Oh putain, bouclier. Oh putain, ils m'ont retouché. On peut aller qu'en haut, donc on va aller en haut. Ah bon, le niveau est fini, c'est déjà ça. Protection qui procure une armure et annule parfois les dégâts subis. Ma foi, c'est plutôt pas mal au niveau des sorts qu'on peut avoir. C'est plutôt sympathique. Kept in check by a Nea Dire's will, the goblin hordes never dared to linger in her caves. Their place was in the bloodless forest, banished for their brutality. Je peux pas augmenter de niveau encore. Ouah, je le sens mal. On va pas faire long feu, dis donc. Non. C'est vrai que... Merde, j'ai quasiment plus de bouclier. J'aurais dû peut-être avancer un petit peu plus pendant que j'avais le bouclier. Quoi ça? Y'a pas un truc là? Non? Putain, y'a un gros truc là. Ouloulouloulou. Mais non! Mais what? Y'en a ici aussi? Oh, oh la vache, on est mort, c'est bon. Oh non, on est mort. Ah mais il y a de la vue là. What? What? Au secours! Au secours! Ah. On peut pas repartir. Oups. Ouais. Non mais là... Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est impossible. Non, 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 non. Dommage. Eh, pas facile comme jeu. Hein. Enfin, de toute façon, ouais, j'imagine qu'il faut augmenter un petit peu toute notre famille pour vraiment continuer dans l'aventure sans avoir de mal. Ah, c'est ça, l'aventure continue, enfin c'est le scénario avance. C'est assez étrange. While painful for a mother to see her son in sickness was still better than missing him for so long. Barry knew that she would make caring for Mark her mission. Mark had to warn them about the dangers approaching, despite how difficult it was to talk. He started naming the villages that were evacuated, or worse, taken over by the corruption, but soon succumbed to fatigue and fell asleep. Mary
recalled hearing of an herbalist in Caldippo Caves that would have the yarrow at hand needed to treat Mon. The Bergsons would once again need to brave the treacherous caves in search of the herbalist. Mm-hmm. C'est qui en bas? Ce n'est pas moi, non, non, pitié, je ne... Ouais, il n'y a pas de nouvel endroit où on peut aller. 325, putain, c'est... Non, c'est le prix, d'accord. Le livre de Réa, de toute façon, voilà, il faut beaucoup trop, donc ça a rien, et là... Soit on augmente le critique, soit les dégâts de base, soit la santé. Allez, on prend les critiques. Goblin bandits had been preying on the Nea Dias pilgrims with unprecedented cruelty. Removing the evil would help those who had taken refuge in the caves. Ben had heard that the goblin siblings' lair was somewhere in the lost trenches. The Bergsons had to deal with those two as soon as they could. Okay. Peut-être qu'on aura d'autres portes. Ça doit être ça, ouais. Je pense qu'on aura d'autres portes. Parce que je vois mal le jeu quand même avoir que 4 donjons. Un petit peu chelou. Bon, on va reprendre Kevin. Allez. On reprend Kevin. Si jamais on n'y arrive pas là, on prendra la fille. L'archère. On va faire ça. Parce que bon... Je vais pas non plus essayer de... Comment dire ? De persister si c'est vraiment trop dur. On changera de personnage. Finding the herbalist was the most pressing matter. The healing herb needed to be taken to Mary as soon as possible. Du coup, je me demande si on peut trouver l'herboriste maintenant, en fait. Si on va être obligé d'attendre. La grande question, ça. Viens ici. Putain, mais déjà, con. Il y a déjà des démons légendaires ou je sais pas quoi. Putain, 49 quoi. Bon, c'est cool, on l'a tué, mais... On est déjà quasiment mort quoi. Oh là là là. Est-ce que ça vient du personnage ou est-ce que ça vient des monstres qui sont super puissants? Je sais pas si ça serait pareil avec le paladin. Mais voilà, vu le nombre des monstres en plus, je pense que même avec l'archère, ça serait très très dur. Hein. Mais bon.
Bon, on va d'abord aller là. Je suis pas sûr que je puisse m'en sortir. Mais... pas grave. D'accord. D'accord. On va mourir. On va prendre la recherche. Eh ben. Eh ben. Pas facile, hein. I need your help, Sheila. If not for me, come to the aid of the family, for Mary and her children. And so Ben's letter ended. His doubts showing, he contemplated his relationship with Aurea, the emotional and single-minded Sheila. Why had they ended? Question still unanswered. Hier, ça s'était plutôt bien passé. J'avoue qu'aujourd'hui, un petit peu moins bien. C'est con quand même parce que Kevin doit pas être loin à mon avis du skill familial, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va prendre l'archer. Alors comment on joue déjà avec elle? Qu'est-ce qu'on avait comme skill? Avec elle on était quand même arrivé jusqu'au boss, hein, du premier donjon. Ok. Bon. Bon, eux déjà, ça va être plus simple de les tuer. Enfin, pas plus simple de les tuer, mais de les tuer sans se faire toucher, sûrement. Chauve-souris, je sais pas où elle est, mais elle devrait pas tarder à arriver. Arrêtez! Stop! Elle a pas beaucoup de points de vie, putain, 99 points de vie. On a déjà perdu 13 points de vie, quoi. Ah non, c'est bon. Bon. Ça va pas être facile, hein. Surtout que eux, ils sont assez rapides, là, les espèces de...
d'ombre, je sais pas quoi, mauve. Squelette encore ça. Oh non. Et... Putain la vache, ils sont vraiment rapides. Elles sont trop nombreux là. Là je peux rien faire. J'ai obligé de courir et d'attendre que mon skill se régénère. Il n'est pas très palpitant, je vous l'avoue, mais. Bon. On l'a eu, on s'est fait un petit peu d'argent. Ça va quand même, on s'en sort plutôt plutôt bien, je pense. Ça aurait pu être pire. J'ai l'impression que le machin des coups critiques, ça marche quand même plutôt pas mal. Alors, temporairement, ah c'est bien ça. Invincibilité. Merde. De l'argent, ok. Rien du tout, ok aussi. Là, c'était la porte, je m'en souviens plus. C'est la porte. On va aller voir d'abord de l'autre côté. On a quasiment level up. Four steps were to be taken in the correct order. What the heck is that? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans le bon ordre, mais je fais comment pour savoir quel ordre? Ah d'accord. J'ai pas le droit. Je vais devoir recommencer jusqu'à la fin ou... Sinon, ça peut faire beaucoup là. On va se taper beaucoup de combats, je sens. D'accord, on recommence. Bah on va dire le troisième. Ah, évidemment. Ça va être le dernier, je suis sûr. Le dernier qu'on va prendre, ça sera le premier. C'est toujours comme ça. Oh putain. Oh putain. Alors, on va prendre le deuxième, mais vu que le deuxième, en fait, ça sera le premier, parce que c'est toujours ce que nous, on prend pas, mais c'est ce qu'ils veulent qu'on pense. Donc c'est le deuxième, et en fait, ça sera le premier, mais vu que c'est, voilà, c'est ce qu'ils veulent qu'on pense, ça sera le deuxième. Qu'est-ce que je vous avais dit? Donc, je veux prendre le quatrième. Pas vrai. Oh le truc il a loupé en plus. Oh la vache, mais ils sont trop rapides. Oh putain. Du coup 2. Faire le 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 3 et c'est quoi ça du coup
Un pacte de sang. Les ennemis proches subissent des dégâts quand vous vous faites attaquer. Ah putain, mais ça dure tout le temps? Oh, c'est énorme ça. J'ai hâte de voir comment ça marche. Bon, par contre, on gagnait pas d'XP, hein. Ça c'est un petit peu nul. On n'a pas gagné du tout d'XP. Voilà, on est bien là. Compétences, on n'a toujours pas accès à ça. Ouais. Ça doit être soit au prochain niveau, soit dans deux niveaux. On a eu du cul. Nécessite GM. Ah, j'ai plus de GM. Ah, en effet. Je crois même que j'avais pas de GM. Surtout ça, le truc. Putain. Ah, merde. Il n'active pas les pics. Bon, ça aurait été un petit peu facile s'ils activaient les pics, ils seraient morts tout seuls, mais bon. Ça aurait été marrant quand même. Ah! Boum boum! Non! Merde! Je voulais tirer sur la bombe! Pour une fois que je vais tirer sur la bombe. Meurs. Putain, la tente, elle nous protège. D'accord. C'est bon à savoir, ça. Ça sert d'obstacle. Pas toi, toi t'es chiant toi. C'est une sorte de nécromancien qui fait popper des mobs. Oh, un truc d'expérience. Très bien ça. Très très bien même. Oh putain, merde, c'est la fin du niveau. Je sais pas si on peut garder notre truc pour le... Oh, c'était vachement puissant contre le boss du premier donjon. Ça nous avait bien aidé. J'espère qu'on va garder notre truc d'expérience pour le prochain niveau. Ça pourrait nous être utile. Oh, c'est cool. Vite, on va essayer de tuer les ennemis. Bien sûr, c'est là où il n'y a plus d'ennemis. Hein. Évidemment. Toujours comme ça. Allez. Ouh, il y a du monde. Il y a du monde. Je sais pas s'il y avait un écro. On ira voir après. On est en train de s'enfoncer dans les méandres de ce donjon. Salut le ver de terre, ça va?
On t'appellera Chenipan à partir de maintenant. Non. On va quand même continuer un petit peu en haut. Je sais pas s'il y a un truc en haut. Il y avait beaucoup d'ennemis, ça c'est sûr. Bien, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc chelou qui m'attaque. In the darkest depths of the caves, further than a weary traveler dares to tread, lay the chamber of Anaya Dyer and her golem. The first step toward the mountain god. Ok. Soirée dans Bilo là. Ah, j'ai pas vu du coup. Si les ennemis prennent vraiment des dégâts, j'imagine que oui, mais bon. Quand ils sont proches de nous. J'aurais pas un petit ennemi là. Ils prennent vraiment des dégâts là. Ah oui. On dirait que oui. Ouais. Ah. Monsieur a beaucoup de points de vie. Par contre, vu qu'il est plus lent que nous, il nous touchera jamais. J'ai cru qu'il allait nous toucher. Ah ça y est, il y a monsieur très chiant qui est revenu là. C'est lui qui nous a tués tout à l'heure. Putain mais la vache. Il va faire popper combien de mecs? Je peux pas tirer 10 000 flèches. Hein. Wow. Ah d'accord, quand on le tue, on tue tout le monde. C'est bon à savoir ça. Anneau de régénération, régène PV constante. Ouais, parce que c'est mieux d'avoir une régène constante. Je pense que ce truc doit durer plus longtemps que peau de pierre. Parce qu'à mon avis, être invincible, voilà, ça durait pas très très longtemps hier. Donc peut-être que la régène va durer plus longtemps. Enfin, j'espère en tout cas. Parce que sinon, on se sera fait avoir. Deux flèches, il y en a deux. Il y en a deux. Attends, j'ai augmenté de niveau ou pas? Non, j'ai pas augmenté de niveau. Hein. Ouais. Ça va les gens là? Bien ou bien? S'amuse. On se croirait dans le roi lion. Le roi lion est de retour quoi. C'est énorme. Le roi lion est de retour. Augmente les dégâts d'attaque principale. Ok. C'est pas un truc activé ça. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Putain, j'ai l'écouteur qui est en train de se barrer. Enfin, les écouteurs même. Je sais pas si c'est un clin d'œil au roi lion, mais je pense qu'il y a des chances quand même. Ça ressemble tellement.
Oh putain, il a tiré notre flèche. Faut que j'achète le roi lion d'ailleurs. Le roi lion avec Aladdin. J'ai pas de gemmes. J'avais pas récupéré des gemmes tout à l'heure. Ah, j'ai utilisé ici, mais oui, mais oui. Oui, j'ai oublié. Oh, ah, oh, on l'avait eu. On l'avait déjà eu cette salle. Love, truly a divine emotion, especially during dark days. Love had motivated this mother to lay down her life for her cub. Putain, c'est triste. La vache. On va te sauver, petit loup. Je sais pas trop ce que tu es, mais on va te sauver. Nous, on est comme ça. Nous. Alors attends, attends un petit peu quand même. Hein. Attends un petit peu, mais. Voilà. Try and rouse her from eternal slumber, and it would be love welcoming the new orphan among the Bergsons. Est-ce qu'il va venir avec nous? Ah, peut-être. On verra bien quand on rentrera chez nous. Je peux rien faire avec maman. J'ai pas l'impression. Bon là y a rien. De l'argent. En bas. Ah oui. Donc là il y a un autre truc encore. C'est quoi ça? Le marchand. The poor herbalist. C'est l'herboriste. No valuables, but the goblin's greed had now surpassed gold and jewels. Enfin, du moins, shedding tears for the dead man would serve no one now. The herbs needed to be delivered to Mary. Et du coup, je me pose la question, si quelqu'un en fait était pas mort et qu'il n'y avait pas eu la cutscene où il disait on a besoin de l'herboriste, qu'est-ce qui se serait passé quoi? La salle aurait pas pu apparaître. On lui pique son argent. On lui pique son argent pour l'utiliser pour lui. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Ça marche comment? D'accord, on achète comme ça. On achète avec... avec des trucs chelous. On peut acheter une potion. Potion de divine. Le totem, il y en a beaucoup. Ah mais c'est des totems différents, ça repousse les ennemis. Ça c'est tir sur les ennemis, c'est celui qu'on a. Compagnon de combat au corps à corps qui se bat à vos côtés. Une grâce divine. Ça, c'est une relique divine. De toute façon, je peux pas l'acheter, j'ai passé. Tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Donc ça c'est la suite. Oh, ça doit être la suite du donjon. Et en bas ça doit nous mener à un autre endroit. Et quel endroit?
commence à faire pas mal de dégâts, j'ai l'impression, hein, avec tous les sortes d'artefacts qu'on est en train de récupérer. On l'a peut-être tué, on l'a tué. Merde. Toi aussi, on va te tuer, désolé. Invoque un dragon qui blesse les ennemis et crée une flaque infligeant des dégâts. Ça peut être sympa. Oula. C'est tellement que sympa que le jeu il bug. J'attendais pas ça le jeu. Ah mais ça a l'air d'être peut-être mieux que le totem parce que le totem ça prend une minute pour être régénéré, alors que là c'est un petit peu plus rapide. J'ai l'impression que ça dure moins longtemps aussi, mais on verra. On verra quand on en sera au boss. Putain, encore un autre truc. Et remplis votre jauge de rage. 39 secondes, ouais. Ouais, on va garder le dragon. Il doit y avoir un nécromancien pas loin. Eh ben. Putain, mais décidément, il y a combien de trucs ici? Wherever there was a secret, knowledge was to be gained in reward. And wherever there was a reward, danger lurked. The cipher was important enough that it brought Grandma here. Here's to being lucky, Grandma exclaimed with her unique sense of humor. Le totem, au revoir. Est-ce que ça va être le boss ou pas? At this depth, the air was stale. Thickened by the stink of rank fur, matted with sweat and blood. Le boss, ça va être Scar. Ah, c'est pas encore le boss. Merci pour la potion. Toujours apprécié. Breaking the circle would prevent the summoning. Eux,
je pense qu'ils sont très très lents, mais par contre, s'ils nous frappent, mais alors là, je crois que on doit mourir en deux coups. Oula. Mais c'est peut-être eux les boss, en fait. Ça se trouve. Non! C'est énorme, le bruitage de ces mobs, c'est un son d'un sort de feu de la quatrième prophétie d'un MMORPG qui date d'il y a 20 ans. C'est énorme. C'est énorme! C'est énorme! Ils ont utilisé la même banque de sons que ce MMORPG. Oh putain, c'est trop énorme! Oh, oh putain, les souvenirs, quoi. Oh, les souvenirs. Ils vont me donner envie de rejouer à la quatrième prophétie, quoi. Wow. Inoubliable. Inoubliable. Le... J'ai passé entre 20 000 et 30 000 heures sur ce jeu, donc ça c'est des bruitages qu'on ne peut pas oublier. Oh, c'est énorme. Énorme. Je préférais quand même le bruit de la météorite qui tombe sur la Terre, mais bon. Même si j'avoue que bon... un petit peu dur à faire. Le bruit d'une météorite qui tombe sur la Terre, c'est... une sorte d'incantation qui apparaissait sur le sol. Une météorite qui arrivait, qui tombait du ciel pour s'écraser sur Terre. C'est énorme. Franchement, mais c'est énorme. Et pourquoi ils sont pas morts, hein? Tout à l'heure, ils étaient tous morts en même temps, et là, non. C'est pas très gentil, ça. Encore de l'argent. Bon, moi, c'est bien. Peut-être qu'on va pouvoir s'acheter des trucs en rentrant. On va courir plus vite. De temps en temps. Est-ce que c'est genre toutes les minutes ou un truc comme ça? Auquel cas on sera invincible tant qu'il n'y a pas de boss. Je sais pas. C'est quoi ça déjà? On va prendre ça, ouais. Le jeu a quelques problèmes, parfois il freeze. Il y a des micro-freezes, bon c'est pas grave, mais... c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe ici? Sweat drips from the man's brow, his stamina fading in his final stand to protect his family. Were such trials worth the promise of a safe haven? Meurs. Voilà. On va tuer les autres là.
Je vous ai pas oublié les mecs, hein. Voilà. Quelle chance. Through labored breath, the man gave his thanks and said a prayer for his good fortune. Une batte de baseball. On va prendre ça juste pour le mettre dans le codex. On va l'utiliser d'ailleurs et on reprend le dragon. Et tout compte fait quand même, l'archère elle est bien. Hein. Elle est bien. Putain. Au secours! Au secours! Waouh! C'est pas passé loin. Ce n'est pas passé très loin. Ils sont longs quand même, les donjons. On dirait pas comme ça, mais... Putain la vache, il y a encore deux chemins. Ah, on va aller en haut. Au niveau des compétences, ah non, non, c'est le prochain niveau. Ok, d'accord, prochain niveau. Putain, mais il y a des trucs qui sortent de partout, con. Putain, elle peut évoquer les mobs, même genre à 10 km, quoi. C'est un petit peu abusé quand même. Franchement, madame, vous abusez. Si ça se trouve, en fait, les... Les mecs qui ont fait ce jeu, c'est peut-être des fans de la quatrième prophétie. Si ça se trouve. On sait jamais. Encore un truc chelou. On en chope des trucs chelous. Génère une aura temporaire, ok. Ah, c'est le truc qu'on avait gagné. Ouais, mais non, on va prendre le dragon gun. Ça augmente la chance, ok. Ah, on a réussi à avoir l'argent. J'ai cru qu'on allait, on allait pas pouvoir le choper. Encore des arbalétriers. Bon. Là, ça doit être un cul-de-sac, je pense. Oh non. Oh non. Quatre. Non.
Faut pas commencer par 4. Trois. Non plus. Ah ouais, il y a de sérieux ralentissements quand même. Putain la vache. Tellement dommage quoi. Bah du coup, 1. 1. 1. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de 1, 2, 3, 4? Non. Ah mais attendez, est-ce que ça apparaît pas? Attendez. Est-ce que ça serait pas le 2? On va voir. 1, 2. Ah non. Du coup, c'est le 4, je crois. Donc 1, 4, 3, 2. Ok. 1, 4, 3, 2. Pour avoir... génère un vortex qui attire un ennemi. Ok, non. Ah, on est au boss. Ok. Ah, on va peut-être pouvoir acheter un truc. Il est enrhumé apparemment. Vous rend une partie de temps en temps, ça on l'a déjà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les cadavres ont moins de chances d'être corrompus d'une naissance de nouveaux ennemis. Ah d'accord, c'est les cadavres en fait. Prendre ça mais juste pour le mettre dans le codec en fait. Quoique ça peut être utile, ouais. On va prendre ça, ouais. Ouais, on va prendre ça. Ah oui, oui, oui. Surtout que ça dure... Enfin... C'est le même cooldown que le dragon. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal ce truc de bouclier. Il dure plus longtemps que l'autre bouclier, j'ai l'impression. Bon allez, on va essayer de tuer le boss. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là pour Children of Morta pour le moment. The creature that now threatened the hero was a crudely focused inferno of hatred and malice. If one raging beast was not enough, oui, c'est un petit peu facile. Two were. C'est vrai que c'était un petit peu facile. Ouh la vache! Mais putain! Allez, attends. C'est la meuf qui nous attend. Le gros qui nous sautait dessus, il faisait masse de dégâts. Bon bah tant pis, on a secouru le louveteau et la batte de baseball, c'est déjà bien. J'avoue que secourir une batte de baseball, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours dans la vie, donc je me félicite moi-même hein, d'avoir secouru une batte de baseball.
Mark was out of the woods now. Un nouveau personnage peut-être. He was almost up and about. Un mage. Welcome back, brother, said Kevin. Un mage. Un moine. He had avoided conflict over the years, living in harmony with nature. But as Uncle Ben was fond of saying, a Bergson would forget how to walk before they forget how to fight. Safety of the Bergson's house, the young cub was not yet free from danger. Exhaustion racked the animal's body, its chest heaving for even the smallest of breaths. The family believed several plants found deep in the nearby caves, combined together, could serve to remedy the situation. C'est Kevin. C'est quoi ça? She knew where it was coming from. Her ancestors had spoken of such corruption flooding down the mountain. But Grandma Margaret wanted to know what it was and what needed to be done to destroy it. Maintenant, on a le moine à la Diablo 3. On a combien? 1400? Putain, que 1400! Ouais. C'est pas beaucoup, hein. 1400, on peut en avoir deux. Ouais. On va prendre l'armure aussi. On peut même en avoir un autre. On va la santé, c'est important. Ça fait 15 points de santé en plus. On va prendre la santé. Bien équipé. Améliorer votre équipement 10 fois à l'atelier, ok. En effet, nous l'avons fait. Et juste pour voir... comment il s'appelle déjà, Marc. Donc après, il nous en reste 2. Il y a un petit truc à gauche. Et un grand fort avec un marteau. Marc frappe à l'aide d'un fouet magique. L'attaque principale. Et ce qui me fait peur, c'est que Kevin, déjà c'est un assassin, il a. Enfin voilà, c'est un petit peu dur. Hein. Il se prend énormément de dégâts, mais Marc, du coup, ça doit être pire. Parce que s'il combat avec ses poings. Laisse tomber. Enfin bon, on verra ça pour la prochaine fois. Moi, je vais arrêter cette vidéo là. Je pense que je vais faire un autre jeu, sûrement qui va partir du Game Pass à mon avis à la fin du mois, pour essayer d'en profiter un petit peu. Donc, je vous dis à très vite. Bye bye. Si j'arrive à sortir, hein, c'est...